là et qui était un problème majeur pour les populations de la commune de Tomron-Koto. C'est dans la région de Kédougou. Un forage a été construit sur place. Il polarise 18 villages de la commune. Une initiative de l'État du Sénégal et de la coopération japonaise. On voit ça avec Aïssata Diop-Tall et Papidjan. Une route défectueuse qui mène vers des montagnes. Des femmes qui, au long de la journée, cherchent le liquide précieux qu'elles transportent elles-mêmes sur des bassines. Voilà ce qui fait le décor à Tomron-Koto, plus précisément à Mako Village. Dans cette commune, l'eau douce était jusque-là le principal problème des villageois, surtout des femmes qui parcouraient des kilomètres et des kilomètres pour l'avoir. Mais ce calvaire est devenu aujourd'hui un vieux souvenir pour elles. Grâce à la JICA et le gouvernement du Sénégal, par le biais de l'Office des forages ruraux au fort. On demande il monte 5h du matin, 6h du matin, d'avoir à Kamayo. Avant, on rencontrait d'énormes difficultés d'eau. On se levait à 5h du matin, on partait vers le fleuve pour chercher de l'eau ou même marcher des kilomètres et ensuite puiser dans les puits qui font des centaines de mètres. Mais grâce à ce forage, non seulement nous allons avoir de l'eau douce, mais nous allons aussi retrouver la santé. Tout ça grâce à Macky Sall, les Japonais et au fort. C'était un rêve pour nous qui s'est réalisé aujourd'hui grâce à l'État du Sénégal. Nous allons beaucoup prier pour eux. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, ce n'était pas uniquement les belles dames qui ont manifesté leur bonheur pour l'obtention de ce joyeux. Également, les autorités locales comme les époux ont tous magnifié les réalisations du gouvernement du Sénégal à travers au fort. Ce forage nous soulage, vraiment, car on n'aura plus à nous disputer avec nos femmes, parce qu'avant, quand la femme allait chercher de l'eau, elle durait là-bas. Il arrivait que son mari la créait des problèmes et même la frappait, pensant que son épouse est allée faire autre chose. Je voudrais en tout cas inviter les populations à savoir que cet ouvrage a coûté un énorme budget. C'est pour cette raison que je vous invite à la responsabilité. Le coût global de ce forage a coûté à l'État du Sénégal entre 300 et 400 millions de nos francs CFA et sa réalisation a été possible grâce à l'appui de la coopération sénégalo-japonaise. Le contrat a été signé il y a de cela 3 ans et actuellement le château d'eau polarise 18 villages. L'exécution physique du projet a démarré depuis juin 2016. Donc nous dirons que cette réception est une réception provisoire parce que on va devoir suivre les ouvrages pendant 1 an pour assurer la garantie. Tout ça est dû grâce au président de la République. Le président Macky Sall nous a instruits à ce que nous faisons de nos mieux pour que tous les Sénégalais puissent avoir l'accès à l'eau potable. D'habitude, on pense qu'ici à Kédougou, il n'y a que le problème de l'or. Mais les habitants souffrent aussi du problème de l'eau. Déjà, le gouvernement a un projet appelé transfert d'eau sur lequel nous sommes en train de réfléchir et, s'il plaît à Dieu, d'ici 2 ans, toutes les populations auront accès à l'eau. Pour la gestion de ce forage, le sous-préfet a mis en place un comité tripartite pour éviter tout dysfonctionnement. Chacun de vous doit respecter les chartes. Désormais, départis de leur souffrance, ces habitants de la commune de Tomron-Koto, surtout de Mako, ne pouvant plus retenir leur émotion, ont offert un boubou traditionnel et un bélier au directeur général de l'Office des forages ruraux au fort et du représentant de la JICA. Ainsi donc, les corvées d'eau de ces femmes sont classées dans l'agenda des vieux souvenirs grâce à l'État du Sénégal.